Et yo tout le monde, c'est Brandon YP. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui je fais gagner des passes de combat comme d'habitude. Tous les mercredis à 20h je sors une vidéo et je mettrai le nom du gagnant dans la description. Pour participer les gars c'est très très simple. Vous mettez le code créateur Brandon YTB dans la boutique comme ceci. Je vais vous le réécrire. Hop. Brandon. Hop. Brandon tiré YTB. Voilà, comme ça, les gars, hop. Soutenir le créateur, bam. Pour participer, les gars, c'est tout simple. Il suffit de vous abonner à ma chaîne. Et je vous offre le pass de combat. Je choisis quelqu'un et je lui offre. Allez, on va déjà commencer. On va acheter le pass de combat. Voilà. C'est parti, le pass de combat est acheté. Si vous voulez que je vous l'offre, les gars, il suffit de mettre mon code créateur dans la boutique et de s'abonner à ma chaîne. Il n'y a rien de plus compliqué. Sur ce, bon visionnage à tous. Ok, re tout le monde. Bon, aujourd'hui les gars, je vais vous montrer les différentes manières de modifier les constructions pour s'améliorer. En gros, si t'es débutant ou que tu sais jouer mais que tu gères pas la construction, genre la modification, cette vidéo est faite pour toi. N'hésite pas à t'abonner, liker parce que je vais faire plusieurs vidéos d'exemples. T'en fais pas. Et sinon, on va déjà commencer. Je vais déjà vous montrer les meilleurs paramètres pour paramétrer votre manette, genre pour modifier, parce qu'il y en a qui modifient juste avec le rond. Et moi, je vais vous donner une autre tactique, modifier avec le joystick, les gars. Joystick est confirmé aussi avec le joystick. Parce qu'en gros, il y aura moins de temps de pression. Je vous dis tous les paramètres, tout ce qu'il faut faire. Et c'est parti. Alors, option, paramètres. Vous allez sur la manette. Après, sur la manette, vous allez dans personnaliser. Hop. Une fois que vous êtes là, les gars. Attendez, je vais déjà mettre comme vous. Voilà. Là, les gars, c'est comme vous, vous avez. Regardez. En gros, je peux pas modifier quelques joystick. Hein. En gros, vous devez appuyer rond, faire ça et rappuyer rond. Et en fait, on perd grave du temps. Regardez. Regardez, je vais essayer de le faire vite, mais avec le rond, j'arriverai pas. Vous voyez, vous perdez trop de temps. Parce qu'il faut rester appuyé sur le rond et tout ça. Alors, ce qu'on va faire, là, je vais vous donner la manière la meilleure pour le faire. Voilà, une fois qu'on est là. Que vous êtes là, pardon. En gros, sprinter auto. En gros, vous allez dessus. Vous descendez tout en bas. Vous mettez modifier. Après, une fois cela c'est fait, vous allez. Oups, attendez, 2 secondes. On y revient, ça va quitter. Voilà, une fois que ça c'est fait, là c'est modifié. Vous allez ici, changer de mode. Vous mettez juste changer de mode. Vous enlevez le modifier. Après, vous appuyez R2. Une fois que vous êtes ici, il a changé de mode. On va ici, voilà, ici. Après, vous cliquez tout en bas de vos sprintez par auto, tout ça. Vous cliquez confirmer. Vous êtes OK. Confirmer, hop, on appuie 2 fois. En gros, c'est beaucoup plus rapide. En gros, je vous explique. Genre, en gros, avec le joystick, vous cliquez dessus, ça modifie directement. Hop, et pour refermer, et je sais que ça évite d'appuyer sur rond et tout ça. En gros, après, on va aller plus vite. Vous voyez? Maintenant, je vais vous montrer, ça c'est vraiment pour les débutants, si vous êtes nouveau et ça, les différentes manières de modifier. En gros, une porte. Une fenêtre. Vous pouvez faire 2 fenêtres comme ceci. Ou une fenêtre, une porte. Dans l'autre sens, c'est pareil. Après, vous pouvez faire modifier comme cela, modifier comme ceci, modifier par en haut et modifier par en bas. Après, vous pouvez faire soit comme ça, attendez, on va faire comme ça plutôt. Vous pouvez modifier en petit mur, en mur simple, comme ça, un peu plus haut. Et par contre, si vous faisiez ça, les gars, vous pouvez mettre des portes, vous pouvez faire plein de choses. Sinon il y avait aussi comme ça, des murs comme ça, c'est pareil pour l'autre côté, comme ça, voilà, c'est pareil, hein, vous pouvez faire comme ça, genre comme ça, vous pouvez mettre soit une porte ici, genre, là, il y a plein de différentes manières de modifier, après ça c'est à vous de voir. Maintenant on va faire 3 exercices les gars, je vais vous montrer avec le joystick que c'est vraiment plus rapide. En gros, à place de mettre on va dire 10 secondes à modifier genre quelque chose, vous le faisiez en 5 secondes
ou 3 secondes. En gros, c'est beaucoup plus rapide. Je vais vous montrer. Première étape. Si jamais les gars, je vais créer une map d'entraînement, genre avec des petits parcours et tout ça, elle va bientôt sortir. Je vais vous montrer comme quoi avec le joystick c'est beaucoup plus rapide. En gros, t'appuies juste sur le joystick comme ça. Genre, en fait, t'as juste à cliquer, tu vois, et tu descends tout seul. En gros, tu cliques, tu fais ça, tu cliques, tu fais ça, tu cliques, tu fais ça. Et en fait, ça modifie tout seul. Oups. On va faire pareil. Là, on a fait les sols. Modifier les sols, ça, c'est vraiment ce qu'il faut le plus apprendre, les sols et surtout les chapeaux. Là, je vais vous montrer les chapeaux. Chapeau, c'est pareil. Il y a juste à cliquer, les gars. Ça le sent tout seul. Et vous pouvez voir que c'est beaucoup plus rapide que reste appuyé sur le rond comme ça. T'as la détente, tu dois faire ça. Alors que là, t'as juste à cliquer, ça descend comme une flèche. Bon, je me suis pas entraîné avant de vous montrer, les gars. C'est pour ça que j'ai un peu de mal. Après, c'est pareil. Maintenant, on va faire la double edit, mais à l'envers. Et on va le faire à l'endroit. Vous en faites pas. C'est pareil. Modifier, modifier. Vous voyez comme c'est facile à modifier? En gros, on a juste à cliquer et ça modifie tout seul. En gros, là où on dit que tu mets 10 secondes à le faire, en gros, tu le fais 5 secondes, 3 secondes, façon de parler. Genre, en gros, tu vas grave 10 secondes. Après, là, on va partir sur de l'escalier sol. Vous voyez, c'est beaucoup plus rapide. Ouh, je vais tomber. C'est rien de compliqué, les gars. Franchement, une fois que vous mettez le modifié avec le joystick, ça va tout seul. Après, la sensi, les gars, vous mettez la sensi que vous voulez, comme vous le sentez. Voilà. Après, ce qu'on veut faire aussi avec le joystick, les gars, c'est qu'on peut se propulser avec les escaliers et tout ça. Mais ça, je vais vous montrer après. En gros, là, vous avez le chapeau. Vous pouvez le traverser juste en faisant comme ça. Genre, c'est pas vraiment compliqué. En gros, tu marches dessus comme ça. Et en même temps, ça le modifie. Et tu peux aussi le réinitialiser en marchant. C'est pas compliqué. Genre, c'est beaucoup plus rapide. Genre, réinitialiser, tu mets le joystick. Genre, même en sautant, tu vois. Après, ici, tu peux réinitialiser rapidement. En gros, tu modifies et puis. Sans s'arrêter, tu peux le faire. Et en gros, tu peux faire pareil comme ça. Hein. Genre, tu peux modifier n'importe comment. Et c'est juste pour vous dire que comme quoi que le joystick c'est beaucoup plus rapide. Ou pour les portes. Enfin pour passer plus vite au travers les construits. Genre en gros t'es en box comme ça. Ah mince, attendez. Allez. Voilà. En gros on dit que t'es en box. Comme ceci. Il y a un mec juste là. Et en gros tu prends l'auteur, bam, tu passes. Tu passes à travers. Ou sinon tu peux directement modifier. Ou si jamais ce que tu peux faire, c'est hop, double edit rapidement. Après, hein, si tu veux, tu peux faire comme ça, te propulser et modifier quoi. Parce qu'en gros, tu peux traverser plus vite les murs, tu vois. T'as juste à faire comme ça. Genre en fait, c'est vraiment, vraiment facile avec le joystick. C'est un petit conseil, les gars. Mettez bien, modifiez le joystick. Après, vous pouvez faire modifier avec d'autres touches, mais il faut pas modifier avec rond. Un conseil, ne modifiez pas avec rond. Parce que si vous modifiez cron, vous pouvez pas vous propulser, vous pouvez rien faire. Alors que là, regardez, hop, c'est comme ça, et vous passez à travers les construits, vous voyez? Alors, tac, et t'avances, tu cours. Tu vois, tu cours normal. Voilà. Après, je peux vous donner des techniques aussi, genre maintenant, si t'es en box. Genre maintenant, t'es en box, tac, t'es comme ça, t'es enfermé. Tu peux modifier, tu fais ça. Genre, tu passes. Genre, tu vois, c'est beaucoup mieux, les gars, franchement. Bon, maintenant, il y a une box. Bam, tu casses le toit. Tu casses le sol. Tu refermes le joystick. Bam, tu mets une balle, tu refermes. Tu vois? Sur ce, j'espère que mon aide vous a bien. Ça va vous aider, on va dire.
J'aurais mieux vous améliorer sur Fortnite. Parce que les gars la construit, la modification. Si tu sais pas faire ça, tu sauras jamais jouer à Fortnite. C'est un petit conseil les gars. Sans construit, t'arrives pas à jouer. Parce que sinon quelqu'un vous tire dessus, tu fais quoi? Tu te protèges. En gros, pour mieux se protéger, genre ouais. Alors pour mieux se protéger, t'as juste à faire comme ça. Lorsque quelqu'un est en face de toi, tu prends la hauteur rapidement. Hop, tu modifies. Double edit. Et ouais, pour la double edit les gars, c'est beaucoup plus simple. Regardez, je vais vous montrer ce qu'on entend plus fait. Ouais, double edit, parfait. Après, on peut modifier plusieurs fois, hein. Voyez, y a rien de compliqué. Petit conseil les gars, mettez ces paramètres. Ah oui, ok, j'ai oublié de préciser un truc. Dans les paramètres, vous allez ici, durée de pression pour modifier. Si vous mettez à 5, 6 ou je sais pas combien, les gars, laissez tomber. Faut bien mettre à 0. Si vous mettez pas à 0, ça sert à rien. C'est comme avec le rond. En gros, tu cliques une fois, ça modifie tout de suite. Et ma 106, si vous la voulez, pour modifier, c'est 1,6. Construction 2,4. Après, voilà. Hein. Je vous donne ma 106 si jamais vous voulez. Hein. Je vous laisse regarder, faire des petites pauses, on va dire. Surtout, les gars, mettez bien durée, avancée, sensibilité, tout ça, 0 secondes. Durée, avance, vitesse, max, 0 secondes. Faut bien mettre les secondes, les gars. Voilà. Je pense que c'était tout. On va faire appliquer. Au kazekazu. Et voilà. Tu peux devenir un joueur pro. Juste avec ta main. Pas besoin d'acheter de palettes derrière et tout ça. Genre pour modifier plus vite. Comme ça te met genre comme si clavier souris. Genre c'est beaucoup plus rapide. Genre tu modifies sans s'arrêter, tu vois. Genre je sais pas, c'est facile. Je trouve que c'est vraiment facile. Sauf que moi, genre j'ai un peu arrêté de jouer à Fortnite. Mais je vais me remettre à fond les gars. Je vais vous donner plein d'exemples. Si vous voulez des exemples de quelque chose, je sais pas. Genre sur la construction, sur Fortnite, comment faire beaucoup de kills. Des trucs comme ça, n'hésitez pas à me dire en vidéo, enfin dans les commentaires, et je vous dis tout en vidéo. Sur ce, ciao tout le monde, et merci encore d'avoir liké la vidéo.